Aujourd'hui, nous allons jeter un œil sur les dernières nouveautés de la journée de l'intelligence artificielle qui s'est déroulée l'année dernière. Aujourd'hui, nous allons discuter de la technologie de pointe qui a été présentée, y compris les capacités impressionnantes du superordinateur Dojo, le monde a vu à travers les yeux du robot Tesla nommé Optimus, et les dernières avancées dans les véhicules entièrement autonomes. Avant toute chose, avec tant de choses à couvrir, plongeons dans le vif du sujet. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla. C'est parti. Comme à son habitude, Tesla a marqué les esprits lors de la journée de l'IA Tesla en cette fin d'année 2022. Et je souhaitais revenir dessus pour en discuter ensemble de ce que nous avons pu voir en attendant la prochaine journée. Parmi les nombreuses annonces passionnantes, les débuts du robot Optimus sont celles qui ont fait le plus parler. Le PDG Elon Musk et son équipe d'ingénieurs ont présenté un robot humanoïde capable de marcher et de se déplacer tout seul. Alors que certains s'attendaient à voir un robot Tesla entièrement fonctionnel, ce qui a été présenté n'était en fait qu'un prototype, connu sous le nom de Bumble C, construit à partir de pièces de robots disponibles dans le commerce. Malgré cela, le prototype a tout de même réussi à impressionner par sa capacité à marcher sans l'aide d'attaches de soutien. Ensuite, un prototype plus avancé a été dévoilé, qui ressemblait beaucoup à la conception finale du robot Tesla. Élégant et profilé, ce prototype a été capable de se tenir debout et de se déplacer pendant une durée limitée. Et Elon Musk a déclaré que ce prototype était une représentation plus proche du design final. À partir de là, la présentation a abordé les aspects plus techniques du robot, notamment le fonctionnement interne de son mouvement et des subtilités de ses actionneurs manuels. Cependant, le segment qui s'est vraiment démarqué était la démonstration de la façon dont Optimus perçoit et se déplace dans le monde. De plus, les spectateurs se sont vus rappeler les plans ambitieux pour l'utilisation d'Optimus, comme l'exécution de tâches dangereuses ou fastidieuses à proximité des humains. Et pour y parvenir, le robot Tesla avait besoin d'un système de navigation reflétant les repères spatiaux humains. Heureusement, l'équipe avait déjà intégré un logiciel qui utilise le même système de pilotage automatique que celui des voitures Tesla, appelé Vision. Comme d'autres robots modernes, Optimus était équipé de capteurs LIDAR et radar. Cependant, il disposait également de 3 caméras qui lui permettaient d'avoir une vue complète de son environnement. 2 caméras à vision latérale et un objectif fisheye central offraient un champ de vision qui semblait dépasser les 180 degrés. Sa capacité à naviguer et à interagir avec les objets dans l'espace 3D a été rendue possible par le système Vision de Tesla, qui a fourni des capacités de reconnaissance des formes et de détection des bords. Dès lors, les vidéos montrées pendant la présentation ont donné un aperçu des capacités du robot et semblaient indiquer qu'il fonctionnait sans problème. Les participants ont également eu droit à une démonstration de la vision du monde du robot, qui était capable de reconnaître et de coder par couleur les objets présents dans son environnement. Dans le premier clip, les personnes sont présentées en vert, les plantes en rouge et l'arrosoir en bleu. Le bureau, la jardinière et les murs étaient blancs et le sol était violet. Cela montre que le robot est parfaitement conscient de son environnement et qu'il est capable de distinguer les différents objets autour de lui. Pour mettre davantage en évidence les capacités de navigation du robot, l'équipe a placé des entrées de caméra au-dessus d'un rendu de l'espace vectoriel 3D utilisé par l'ordinateur. Cela a permis d'obtenir une vue à vol d'oiseau de l'environnement du robot et de transformer instantanément la vidéo de la caméra en un espace numérique tridimensionnel, similaire au système de navigation utilisé dans les voitures. La capacité du robot à identifier les personnes comme des pixels verts et les obstacles comme des pixels blancs, ainsi que son utilisation de la détection des bords pour tracer un chemin direct dans l'espace, ont permis de mettre en évidence ses capacités de navigation avancées. Aussi impressionnantes qu'aient été les démonstrations techniques du Tesla Bot Optimus, il ne fallait pas négliger l'approche innovante adoptée par sa construction et sa mise à l'échelle. Le concept initial et la plateforme de conception utilisaient des composants semi-officiels, dans le but de créer un robot d'aide domestique à la fois abordable et pouvant être produit en masse. Cette vision s'écarte d'autres robots tels que ceux développés par Boston Dynamics et Honda, qui sont souvent conçus comme des vitrines techniques plutôt que comme des produits de consommation. Tesla visait à révolutionner le marché de la même manière qu'elle l'a fait avec les voitures électriques et à devenir la première entreprise à produire en masse des robots humanoïdes. Le processus de conception a été itératif, passant du concept initial à un prototype fonctionnel en 6 mois seulement. Le deuxième prototype a été conçu dans le but de réduire les coûts et d'accroître
la facilité de production, à l'instar de l'approche adoptée pour les voitures électriques. L'accent mis sur le caractère abordable et la facilité d'utilisation a permis au robot Tesla de se démarquer de ses concurrents, dont beaucoup travaillaient sur leur propre modèle depuis des années. Les ingénieurs de Tesla se sont inspirés de leur propre voiture électrique, réalisant qu'ils construisaient déjà des robots sur quatre roues. Ils ont ensuite trouvé un moyen d'adapter cette technologie et de le mettre sur deux jambes, ce qui a donné naissance à un robot humanoïde entièrement fonctionnel et autonome, capable de reconnaître son environnement en moins d'un an. Le super ordinateur Dojo, en développement depuis avant la journée de l'IA en 2017, est un autre aspect important du programme d'IA de Tesla. Présenté initialement comme un outil d'entraînement de l'IA, il effectue des simulations basées sur des données du monde réel pour entraîner le programme d'IA des véhicules autonomes de Tesla. Pour ce faire, il utilise d'énormes fermes de GPU composées de cartes graphiques Nvidia qui n'ont pas été spécifiquement conçues pour cette tâche, mais adaptées pour l'équipe de Tesla. L'un des principaux défis de l'utilisation des GPU pour l'apprentissage de l'IA est le goulot d'étranglement causé par le temps nécessaire à la communication entre les différents composants. Les GPU doivent communiquer avec leur propre mémoire, puis échanger des données entre les cartes d'un même rack, et enfin communiquer entre les racks. Ce volume élevé de flux de données peut ralentir considérablement le processus. Selon Tesla, l'entraînement pour chaque scénario de conduite prenait généralement environ un mois, ce qui n'était pas assez efficace pour la nature rapide du développement de l'IA. Afin de résoudre ce problème, les ingénieurs de Tesla ont commencé à développer un super ordinateur spécialement conçu, le Dojo, en mettant l'accent sur la densité et l'évolutivité. Pour y parvenir, ils ont repensé la manière dont les différentes tuiles et puces de traitement s'assemblent. Tesla a expliqué qu'un goulot d'étranglement était causé par le fait que les autres semi-conducteurs envoyaient l'énergie et les données dans la même direction, alors que les puces Dojo déplacent désormais l'énergie et la chaleur verticalement, tout en communiquant les données latéralement à travers la plaquette dans laquelle elles sont intégrées. La construction des plateaux Dojo eux-mêmes a nécessité un certain nombre d'étapes complexes, mais le résultat final est une machine extrêmement dense et puissante. En réunissant 6 tuiles d'entraînement en un seul plateau, il peut remplacer complètement 4 racks de GPU Nvidia A100 en termes de puissance de traitement. En plaçant 2 de ces plateaux à l'intérieur d'une armoire Dojo, la période d'entraînement d'un mois a été réduite à moins d'une semaine. Une seule tuile Dojo a pu accomplir des tâches qui prendraient environ 150 microsecondes à un rack typique de 24 GPU en seulement 5 microsecondes. Les tests de référence ont montré que les puces Dojo ont surpassé le Nvidia A100 en analysant les données du monde réel par un facteur de près de 4 et que leur puissance continue de croître à mesure que d'autres plateaux sont ajoutés. Les ingénieurs de Tesla repoussent constamment les limites de la technologie et leur dernier projet ne fait pas exception. Ils mettent au point une nouvelle technique de transfert de données entre plusieurs armoires qui élimine tout goulot d'étranglement lorsqu'une unité complète de rack Dojo sera placée dans un cluster de 10 autres armoires. Cette configuration, connue sous le nom d'Exopod, aura la capacité de créer une puissance de calcul d'un hexaflop, ce qui équivaut au calcul simultané d'un milliard de personnes cliquant sur le bouton égal de leur calculatrice. Avec ce niveau de puissance de calcul, Tesla prévoit de construire le premier Exopod complet d'ici la fin de l'année prochaine pour remplacer les 72 armoires de serveurs GPU qu'elle utilise actuellement et plus que quadrupler sa capacité de formation. L'entreprise prévoit de construire 7 de ses exopodes dans ses locaux de Palo Alto, en Californie. Outre le projet Dojo, Tesla a également présenté de nouvelles méthodes de formation pour son logiciel de conduite autonome, connu sous le nom de FSD. Ils ont fait la démonstration d'une nouvelle façon pour l'IA d'apprendre à partir de situations du monde réel, ce qui a suscité l'enthousiasme des ingénieurs de Tesla. Le système FSD est en grande partie visuel, utilisant 8 caméras pour capturer tout ce qui se trouve dans et autour de la voiture et permettant à l'IA de prendre des décisions. Cependant, pour devenir un excellent conducteur, le système doit également s'entraîner et apprendre de ses erreurs, comme les conducteurs humains. Tesla utilise actuellement des fermes de serveurs GPU pour créer des environnements virtuels sur lesquels le logiciel FSD peut s'exercer, en utilisant des outils de cartographie vidéo et l'aide d'artistes. L'un des principaux défis de ce processus est l'énorme quantité de données et de puissance de calcul nécessaire. Il faut généralement 2 semaines à un artiste pour réaliser une seule scène, mais grâce aux nouveaux outils logiciels, Tesla peut désormais simuler la majeure partie de San Francisco en une semaine, avec une seule personne en charge
charge de l'équipement. Les avancées du projet Dojo auront également un impact significatif sur les autres efforts de Tesla en matière d'IA, accélérant encore le développement de son logiciel de conduite autonome. Les travaux d'IA réalisés par l'équipe de Tesla sont tous interconnectés, et il est passionnant de voir comment une innovation en entraîne une autre et une autre encore. Et vous, que pensez-vous de ces projets? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.